Tsuki. Ok, allez. Allez, banco, difficile. Un Salut, célèbre PS. explorateur a dit un jour, Oula, c'est fort. les choses extraordinaires dépendent de nos actes, Comment ça pas va? de qui nous sommes. Ouais, enfin, le week-end, ouais. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la Putain, elle est place, vachement bien faite, hein. c'est l'aventure qui m'a trouvé. Désolé, le son est un petit peu fort. Pourtant, j'avais baissé le son d'ensemble du jeu. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, Ça commence bien il y pour a elle. toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en Faut que tu vie. le refasses. Encore? Quelque chose qui vous pousse à avancer. Ah, c'est hyper bien fait. Oh, ce cri. Je le trouve un peu fort, moi. J'ai baissé un peu, mais écoute, si ça va. Ok, alors Tsuki, tu m'as conseillé de le faire en difficile alors que t'as même pas fini le jeu, merci. Merci beaucoup. Je te reconnais bien là. Alors. Ok. C'est difficile pour elle. Foufoufou. Je pense qu'on va avoir des touches activées là dans pas longtemps, on va pouvoir jouer. Ah d'accord, en définitive édition. Alors là, le son est un peu moins fort là, c'est peut-être un peu mieux. Alors ça commence bien, on est échoué sur une île apparemment. Ah ça va, tout dernier chapitre. Oula, on a pris un coup de latte. Ça commence très fort. Ah oui, dernier chapitre, ça va. Alors, oh, sympa. Sympa, sympa. Ah oui, en version HD, d'accord, ok. FF14 a repris le dessus. Et après FF14, t'as plus de vie. Voilà. CQFD. J'ai l'impression qu'on a la tête à l'envers là. Crystal Dynamics. Ah la pauvre. Alors par contre, je sais pas du tout où ça se situe par rapport aux autres Tomb Raider. Est-ce que c'était avant le 1? Est-ce que c'est après le 1? Je sais pas trop. Les cheveux et tout, ils sont vraiment bien faits, quoi. Déplacer vers la gauche et vers la droite. Ah ouais, ok, super. D'accord, ok. Ah ouais, il faut que je... Attends, ça y est, je sais. On va aller brûler la corde. C'est le moment du viol dès le début. Oula. Putain la vache. Ah, ah la pauvre. Oh putain. Ah, la mauvaise idée. Ah, c'est bien avant le 1, d'accord, ok. D'accord, donc elle est vraiment très très jeune en fait. C'est ses débuts d'aventurière en fait. Alors, on a l'impression qu'on est complètement bourré. C'est surtout qu'elle doit souffrir, la pauvre. C'est un trou comme ça dans le...
Alors j'essaye d'avancer. Ah ouais. Mais en fait c'est Outlast. C'est la suite. Alors ok, avec ça on bouge. Pour l'instant j'ai pas les autres boutons, donc on va regarder comme ça. Ah par contre, l'angle de caméra, les angles de caméra sont inversés. Il va falloir que je m'habitue à ça. Elle va pas fort. Hein. Ah, ils se sont occupés de son cas. Alors attends, on va passer par ici. Ah. Une torche. Nouvel équipement acquis. C'est très pratique. Ah, quel boucan. Elle est très très bonne. Bah écoute, je trouve qu'effectivement, pour l'instant, elle est. En tout cas, elle est très très bien modélisée. Ah, il faut que je reste. Ok. Ah, on entend des voix. Ah, à mon avis, il faut éviter de passer sous l'eau. C'est ça, il doit éteindre la torche, non? Ah oui. Alors, LB pour examiner. Ok. Ah oui, c'est un peu la vision à la Assassin's Creed, ça. T'as vu, on se croirait revenu dans l'autre. Alors, ah oui, d'accord. Donc, je clique dessus, ça l'active, et dès que je marche, ok, ça l'enlève. Donc là, en fait, il montre les éléments qui sont interactifs. Donc, je vois ça. Déjà, je peux, voilà, le rallumer. Elle est hyper bien faite. Hein. Elle est très très bien faite. Alors donc du coup, appuyez sur A pour sauter et pour vous accrocher à une corniche. Ok. Alors je ferai ça. Yo Raiden, comment ça va? Ah ouais, nickel. Voilà. Donc là on embrasse ça. Bon, parfait. Ah, je sens que ça va faire péter le truc. Ouais. Voilà, ça c'était prévisible. Je vais peut-être juste changer un truc, c'est au niveau du contrôle manette. Je sais pas si je peux. Voilà. Inversion axe des Y. Oui. Voilà. Ah voilà, c'est mieux. Je vais mieux y arriver comme ça. Hey baby, comment ça va? Ça fait longtemps. Salut Rod. Oui, ça marche, ça y est. Ça a été un petit peu galère parce que le chat ne fonctionnait pas. C'est assez immersif au début. Hein. Vache, ouais, donc il y a un petit peu des cutscenes quoi. Ah bah c'est le plaisir est partagé, Raiden, ça fait super plaisir de te revoir également. Tout comme Baby du coup. Je sais même pas si je vous ai souhaité la bonne année, je crois qu'on peut encore un petit peu en ce moment. On est dans les timings, donc bah bonne année également. Alors je peux avancer par là. Le visage et tout est super bien fait. Hein. Voilà. Alors on va avancer. La pauvre, elle manque déjà de se noyer et en récupérer une scène. Le vieux. Oui, je peux venir sur TS, effectivement. Attends, c'est vrai que je l'ai pas lancé. Erreur de ma part. Alors attends, je vais essayer de le lancer, bouge pas. Hop. Le TS. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Salut Nedrine, comment ça va? Connected. Hop, voilà, je vais rester dans l'accueil. Ah bah dis donc, il y a du monde. Il y a Max qui est en dessous. Ah oui, ils se font du haut, c'est pour ça. Voilà, je vais rester dans l'accueil. C'est bon.
Donc on revient dessus. Voilà. Et c'est reparti. Ah, t'écho au chat aussi? D'accord. Ah oui, sur le chat de. Oui. Mais il y a eu un petit problème, ouais. Ah, c'est toi qui étais sur le chat. D'accord, ok. Bah tu peux remonter si tu veux, Rod. Il n'y a pas de souci, on peut rester dans l'accueil, il n'y a pas grand monde de toute façon. Bah écoute, c'est vrai, Redden, que c'était prévu depuis un petit moment, puis en fait on avait tardé à finir South Park. Salut, ça va? Ça Donc ouais, Redden, on avait tardé en fait un petit peu à finir South Park, et donc c'est vrai que j'avais pas encore commencé le Tomb Raider. Pourtant ça fait quelques semaines que je l'avais acheté. SC2, je sais pas. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Non, on était prévu de partir sur Resident Evil 1 après, je pense. Bah, tout le monde m'a dit qu'il était excellent ce Tomb Raider, donc c'est vrai que j'avais très envie de le tester. Alors, par contre, on va réessayer. Alors là, il y a un bidon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je pense que je peux rien faire de particulier. Je vais essayer de monter là. Non, elle veut pas non plus. Première énigme. Ok, alors. Et on peut pas la dézoomer plus en fait là. À chaque fois que tu rates une énigme, tu traces un bout de cheveux. À chaque fois que je rate une énigme, tu dis? Tu traces un bout de cheveux. Ah non, ouais. Mauvaise idée. Je garde mes cheveux. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Alors, donc du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que j'enflamme tout ça. Alors, ça devrait être assez simple. Je pense que je passe par là. T'es sur Star Wars, là, du coup, Rod? Ouais, toujours. D'accord. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal, là. Ok, pour ça. Ouais. Ok. J'allumerai bien ça. Voilà. Ok, donc là, ça largue des caisses. Je casserai bien ça également. Voilà. Ouais. Ouais. Attends, je passerai ici. Non, bah attends, je peux monter directement là, alors peut-être. Le souci, c'est si je vais là-haut. Ah, attends. Ça fait rien de spécial, ça. Ah, attends, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose qui le retient. C'est pas encore ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Faut mettre le feu à ça. Ça va faire un gros bûcher. Ça va rien cramer de particulier là-dessus. Ah si, ça. Oui, d'accord, ok, ça crame des trucs qui vont aller faire péter le bidon au bout. Ça doit être ça. Ah, mais là, il y a de la flotte. Ah, attends, faut que je remonte. Je pense qu'il y a un truc à activer pour que la flotte s'arrête. Ah, mais t'as vu, regarde, quand ils passent le truc après au bout, ils prennent la flotte, tu vois. Donc ils risquent pas d'aller cramer quoi que ce soit au bout, quoi.
Il y a un truc que j'ai dû zapper en bas. Non, parce qu'il n'y a rien en bas, c'est tout là où c'est gris là, sur les passerelles. Ah ouais, mais alors du coup, je vois pas du tout où je peux passer là. Ça commence, bah dis donc. Putain, si je galère dès la première énigme, on n'est pas rendu. Si, pourtant il me dit que elle c'est là-bas. Ça là? Attends. Saute, faut que tu montes dessus en fait. Faut que tu les fasses monter. La cage peut pas en bas en fait. Ouais. J'ai l'impression que ça fait rien de spécial. Hein. Alors attends. En pleine séance de galère. Et tu vois, celui-là, ce truc-là, je peux rien faire avec. Cette caisse-là, je ne... Bah si, je peux faire quelque chose avec, mais... Ah ouais, ok, d'accord. T'as trouvé ? Ok, ouais, ça y est. Putain, c'est... il fallait que je me serve de l'autre cache pour faire mon charge. D'accord. Donc là, je les ai mis dans la grosse cage et maintenant, je vide le truc et c'est bon. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, alors. Deux caisses, ça devrait suffire. Voilà. Ah bah dis donc. Ça commence bien. Allez, go, go, go. D'accord, ok, faut tracer. La journée de merde qu'elle passe, la pauvre, c'est horrible. C'est terrible, t'as l'impression que tout s'acharne contre elle. Alors, ouais. Oh la vache. Là, c'est bon. Ah non, pas encore. Putain, mais c'est pas possible. Ouf! C'est raté! Oh putain la vache! Allez, les cutscenes, c'est rapide, hein! Faut être rapide! Ouais, très! Oh! Il s'est fait écraser la tête! Yo Axis, comment ça va? Allez, saute, voilà. Oh putain, c'est pas gagné encore. Hein. Ah, le matraque. Wouh! Ah oui, ils ont mis beaucoup de cutscenes en fait. Ok. Allez. Il y en a juste au début. Ouais, après. Dans ça... le jeu, il y en a, mais elles sont beaucoup plus. Un peu moins, ouais. D'accord, ok. Axis. Ouais, je joue un perso féminin, effectivement. C'est vrai que c'est rare. J'ai vachement de mal avec les persos féminins en général. Rien de misogyne, hein, mais c'est, je sais pas, j'ai du mal à. Bah, allez, on va conjurer le sort avec Lara Croft. Ça devrait être bon, je pense. J'ai confiance. Titre, la grande classe. Alors. Ok.
Bah, elle va toujours pas très fort. Tant qu'elle a le truc dans le bide là. Salut Mystique. J'avoue. J'aimerais bien jouer avec Lara IRL, mais. C'est pas faux. Je dirais pas non non plus. Ah, Morgane, c'est normal que tu l'adores. Entre filles, on est solidaires. Non mais Lara Croft, c'est un des persos féminins qui... Ça va, tu vois, ça passe. Ok. Doucement. On a compris, Nedrin. Alors, là, il va falloir que je joue à l'équilibre. Ok. Ouais. Il est assez bien fait le passage. Ah, nickel. C'est bon, c'est passé. T'inquiète, Axis, elle a l'habitude. Elle a l'habitude. Alors, du coup... En tout cas, esthétiquement, il est vraiment magnifique. Hein. L'effet de nuage, là, et de lumière, il... C'est bien géré. Très bien géré. Et... Non, je regardais, on peut pas zoomer sur son visage, non, on peut pas zoomer du tout en fait là. Ça c'est un truc, non. Non. Ça c'est pour courir. Non, pas zoomer plus que ça en fait. Macho. Ah. Ça sent la deuxième énigme ça, non? Avec l'avion là. Toi, tu l'as fini, Rod, Tomb Raider? Ouais. D'accord, ok. Je peux y arriver. Attends, je peux y arriver, c'est-à-dire qu'elle veut faire quoi, là, du coup? Elle veut sauter? C'est haut, quand même, hein. Ok. En fait, j'aime bien ce genre de jeu, ça me fait marrer parce que c'est un peu paye ta journée de merde quand même. C'est comme Uncharted. T'as tout qui lui tombe dessus. Y'a rien qui se passe correctement. Ah, la palle. Ouf. Ça va. Ça va, ça va. Oui, ben c'est, tu vois, je pensais à cette comparaison-là également, Axis. C'est un peu John McClane au féminin, ouais. C'est... Puis avec moi, à mon avis, elle va morfler, hein, la pauvre. Là, déjà, le fait d'avoir un pieu à moitié enfoncé dans un des reins... Alors, appuyez sur A en plein saut pour escalader la paroi lisse. Ouais, c'est normal. Ok. Sorte de double saut. Ah ouais, d'accord, ok. Tout ce que tu peux grimper, t'as un petit débord blanc. Ok. Pas mal, pas mal. Le sac de Sam. Ok, comme ça me permet de me guider. Alors là, en l'occurrence, je vois pas de truc blanc. Donc, tu peux sauter direct. Voilà. Sam. Alors Sam, je suppose que ça devait être un pote à elle qui était dans le même bateau entre guillemets. La caméra. Sam, Ross, est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je...
Alors, émetteur, récepteur, nouvel équipement. Alors, tu l'utilises comment? C'est pas avec ça. Enfin, c'est peut-être un truc que tu qui se déclenche tout seul, sûrement. Alors, il n'y a rien dans les boîtes là? Enfin, des grosses bouteilles d'eau. Alors, c'est assez rigolo parce que là, les bouteilles d'eau, si j'en juge par la taille, on pourrait dire que c'est des bouteilles d'eau de 10 litres. À peu près. Elles sont énormes. Ok, alors je pense qu'il faut continuer par là. Parti. Oh là là! D'accord, c'était prévu, sûrement. J'espère. Forêt littorale. Sinvito, abritez-vous de la tempête. Ce serait pas mal, ouais. Là, on est à l'abri, là. La pauvre. Elle est vraiment bien faite, hein. Alors, on va continuer à avancer par ici. Ça doit cailler. Ça doit être complètement gelé, ouais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez. Ah, pour faire du feu avec ça, c'est pas gagné. Quand je vois dans une cheminée déjà comment tu galères tant que le bois il est un petit peu humide, alors je vais te dire. Une allumette, faut pas se louper. J'y prête mon pull. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Axis. Miracle, elle saigne plus. Le feu qui prend direct. Alors là, je dis respect. Si j'arrive à allumer le mien tout à l'heure comme ça, je suis un champion. Ouais, mais on sait très bien que tu n'arriveras pas. Bah ouais, je vais galérer beaucoup plus que ça. Par contre, les pompes et tout, c'est vachement bien fait. T'as vu, on voit la boue graphiquement, ils ont fait du super boulot. Ah, ce qui paraît, il est plus beau sur PS4 et sur Xbox, je crois. C'est une autre version qu'ils ont fait. Hein. Je crois que Lara, elle a même pas le même visage tout à fait dessus. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là? Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. Je sais pas Je qui suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre! D'accord. Ouais, c'est ça Morgane en fait, c'est la définitive édition en fait. C'est donc une autre Merci. édition du jeu quoi. Et qui est pas sur PC. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, rattrape-le! Non, non, mais c'est ta chance là! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam, moi aussi je finance ce projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que Ah, ce c'est serait toute pas une son équipe là promenade. en C'est fait. précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman.
Ouais, c'est de l'ultra HD. Ouais, puis je crois qu'ils ont refait vraiment le visage et tout. Lubie, hein. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Quand vous êtes pas allé sur ça marche pas de souci avec lui. Bonne soirée à toi, merci d'être venu. Bisous. L'histoire de l'extrême-orient. Alors occupez-vous. Ouais, c'est sa PS4 et Xbox One, ouais. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir. Écoutez, ça. Faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai. Tu sais bien que je serais prêt à te suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. À plus, Sexy. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Je pense qu'on va avoir l'accident, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. Ouais, bah c'est ce que j'avais vu, Morgan, moi, justement. Du dragon. C'est des vidéos de comparaison, ouais. Même des images, t'as des images où tu vois vraiment les... Et je trouvais le visage sur PS4 était quand même encore plus beau. Bah, non, mais c'est... En fait, ils ont... Celui-là est en HD, et en fait, je crois qu'ils ont doublé le nombre de polygones au niveau du visage, doublé les effets, toutes ces choses-là, donc ils ont boosté le jeu, quoi, en gros. Si je comprends bien. Mais je pense pas que ce soit de la 4K, non. Alors, ça va être nul, d'un coup. Déjà, il fait sec. On peut plus. On continue à avancer par là. On va suivre le corbeau. Ah. Ah, il y a des trucs qui brillent. Je suppose que c'est des trucs qu'il faut que je récupère pour des succès ou autre. La question, ça va être comment je l'atteins. Comment que je puisse passer au-dessus. J'ai dû louper quelque chose à un endroit. Non. Bon bah écoute, c'est pas grave, je le prendrai plus tard. C'est pas une catastrophe. Ah. Dieu, le pauvre homme. Sympa. Cet arc me sera utile. C'est vrai, on peut prendre l'arc. Bah c'est un peu ça, Nedrine, des fois. Ouais. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Alors, ce qui est pas mal, c'est que là, je vais pouvoir récupérer déjà des flèches. Il y a un carquois. C'est pas. Voilà. Jusque là, ça va. Ensuite. Je peux pas chasser à main nue. Il faut que je trouve une arme. Je pense qu'il faut que je grimpe là-dessus. Alors, allons voir ça. Je peux grimper là-dessus. Yo Shield, comment ça va? Elle est mieux que mon War, ouais. Ben en fait, je pense que je vais faire Bard avec elle. Il y a des chances. Ben oui, entre les deux sorties, il y a eu pas mal de temps. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais c'est pour ça aussi qu'il est pas très cher, en fait. Et hop là, voilà, ça y est, c'est bon. Je peux y arriver. Ah, j'étais super content, Shield, quand j'ai vu le message de... Hop. Ça se voit, voilà, c'est bon. Quand j'ai vu le message de... Comment, de Luna, du coup. Donc, je vais essayer de venir juste à 21h pour le faire part, puis je pense que, par contre, je pourrais pas rester, tu vois. Du coup. Il faut que je me souvienne des conseils de Rose. Alors, donc tu bandes comme ça, ok, tu tires. Ne suffisent pas. Ça marche. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Tuer et dépecer le cerf, d'accord, alors attends. Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Je peux rien faire là-dessus. Alors, je suppose que le cerf doit être plus par là, on va continuer. Ouais, pour le mariage, ouais. Ah, ça va être super sympa. Très très chouette. En plus, ils ont fait les choses vachement bien, le faire part et tout, ça déconne pas, quoi.
Alors, trouvons le cerf. Ah, attends, il y a des flèches là-haut. Ah, il est là. Attends, je vais le louper là. Ah, il y en a un autre là. Bon, bah, je suis pas très fort au tir. Hein. Je l'ai pas eu en first try. Moi non plus. Ah, elle est presque morte, je vais l'achever. Ah bah attends, je lui en mets une dans la tête, il est pas mort, tu rigoles là. Ah, par contre la visée, faut que je l'inverse aussi parce que... Attends, mais c'est pas possible, faut lui en mettre combien là? Un oiseau, un cerf, c'est trop pour la demoiselle. Attends, dans les fesses. Voilà. Et ben voilà, c'était... c'était la flèche fatale. Y a pas à dire. Pauvre bête. Non, faut bien bouffer. Hein. Oh. Oh non, c'est trop dur. Voilà, faut l'achever, là. Le chasseur. Oh. Comment tu veux manger ça sans... Elle brise la nuque, ouais. Le truc, c'est que je crois que la nuque d'un cerf, c'est laisse tomber. Hein. Écoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Il y a de la viande au dîner, mes amis. Ah, alors je pense que les pierres blanches, là, elles doivent m'indiquer aussi la suite de l'aventure. Je suppose. Alors écoute, on va suivre un petit peu. Mal. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Des géocages. Ok. Je vais juste modifier aussi un autre truc encore au niveau des options. Voilà, c'est au niveau de la visée. Je vais inverser aussi celle-ci parce que du coup ça m'a posé problème. Voilà, nickel. C'est pas faux, Shield. Elle entend des voix. C'est Jeanne d'Arc. Tu disais quoi, Morgane? Faut que je fasse demi-tour pour cuire la viande. Donc c'est pas par ici. Ok. Normalement, t'as une couche qui t'a indiqué. Ça fait une sorte de, ouais, de sixième sens. Et tu vas au... Ok. Effectivement, je viens de la voir là, du coup. Partez dans le sens inverse. Ok. Retournez au camp avec la viande. Ok, d'accord. Ça y est, je commence à voir comment ça fonctionne. Nickel. Merci beaucoup. Et du coup, ça, on peut pas le... Non, on peut rien. En tout cas, c'est vraiment super beau. Ah, voilà notre petit camp.
Compétences. Dépensez les points de compétences dans le menu compétences pour améliorer vos capacités. Ok. Instinct animal. Meilleure observation vous permet de repérer les animaux, les sources de nourriture difficiles à trouver. Expert en survie, vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux. Fouiller des caisses et des chasses. Trouver des matériaux supplémentaires. Fouiller attentivement les cadavres d'animaux. Les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. Ça peut être utile. J'hésite entre l'instinct animal et... Un peu des deux, Morgan. J'hésite entre l'instinct animal et du coup le truc des flèches. Je me dis que les flèches, ça peut peut-être être utile. Je sais pas si on en a suffisamment dans le jeu. Ouais, prends le truc des flèches, parce qu'à un certain moment, quand t'as bien amélioré l'arc, et ben il tue en une seule flèche, donc... Ah, yes, ok. Bah écoute, je suis parti pour ça, alors. Donc je peux récupérer mes flèches, ok. Donc, parfait. J'avais qu'un point de compétence, donc là c'est bon. Un survivant, 1 sur 9. Ok. Voilà. Ah, ça y est, reçoit un signal. Ross, tu es en vie? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait. Et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu là? Dur le début de journée. C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. T'as quand même le grain de la peau et tout qui est super bien fait. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était c'est d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. La batterie va pas tenir longtemps si on garde tout allumé. Ok, alors, trouver un moyen de sortir de la forêt. Du coup le feu de camp je le laisse comme ça. Ah, parce que ça c'est pour revenir et améliorer. Ok, d'accord. De la musique. Ok, c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est parti. Elle a moins mal là. Ah, c'est ouvert, tiens. Eh oh ! Ça ne l'était pas tout à l'heure. Y a quelqu'un ? Je reste méfiant. Hein. Tu fais bien. En plus, les espèces de champs, ils ont l'air à moitié bizarres. Wow ! Sympa. Mais personne passerait par là en vrai. Quand tu vois le trou, ça donne pas du tout envie. Alors là, je suppose que... Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Encore un truc dit... Ça va être des illuminés complètement là. Ouais, garde la torche, garde la torche. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors ils ont dû compter le nombre de jours dans le... depuis combien de temps ils étaient là. Et ça a dû faire un certain moment. Ah, c'est... La radio, elle doit être très étanche. C'est de la folie. Ah, attends. Allez, je fous le feu partout. Je vais pas ouvrir cette petite caisse, non? Non, la porte. C'est fermé.
Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Ah. Ce masque de notre traditionnel représente une méchante femme à l'apparence de démon. Ah. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. Oui, la personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Ah ouais, d'accord, sur les objets on trouve des indices un peu comme sur Resident Evil. Ok, ça marche. Ok. Là, il n'y a rien d'autre, rien de particulier. No one lives. Je vais passer par ici. Oh. Ouais, bah là, c'est très proche de Outlast, en fait. Hein. Il y a des moments où tu vas te pisser dessus, tellement ça fait flipper. Ouais, putain, la vache, c'est bien crade, là. Oh, cet outil. Le piolet. C'est le piolet vintage. Forcer l'ouverture. Ouais. D'accord, ah oui, c'est forcer l'ouverture là-bas, ok. C'est, je me repère. Là. Ah, avec le piolet, ça marche. Là, il faut que je remonte par ici, en fait. Ok, nickel. Ranger la torche, ouais, voilà. Oui. On a fait du feu, cherche la fumée. On est en route. Alors là, il y a du monde. Pas dit que ce soit des gens sympas. Je crois pas. Je les vois pas, par contre. Ah, ok. Lara, tu es vivante. Ah si, ça va, c'est la copine. Dieu merci. Ça va. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir. Ça va. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Lui, il est bizarre, par contre. Regarde, il est... C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Soleil. C'est un piège de l'alien. T'en es où au fait, Morgan ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Miko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle est bien faite aussi, elle. Elle adore raconter cette histoire. Miko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Depuis les montagnes... Ah, elle commence à s'endormir. Elle est claquée, là.
Not good, not good. Ah, t'as pas rejoué, d'accord, ok. Ah, ça c'était sûr et certain. Ah, il l'a enlevé, quoi. Oh, le piège à loup. Ah oui, mais ça, quand on regarde pas où on met les pieds. La pauvre, c'est atroce. Putain, alors là, ça va être flippant, là. Oh la vache. Là le coup des loups c'est pas drôle hein. Ah ça va, t'as besoin de leur mettre qu'une une flèche en fait. Ok, ça y est, c'est bon. Ouf. Attention. Oula. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. D'avoir mal au pied là, quand même. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Oh putain, il est bien fait aussi, lui. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps. Mais je vais me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Ok, donc je fais équipe avec le blondinet. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Oh, tu m'étonnes. La pauvre. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Bizarre, lui. Il est bizarre. C'est pas si mal. Rattrapez Whitman. Ok. Ok. Je regarde juste un truc, en fait. L'autre, c'est indisponible. Ok, d'accord. Je suppose qu'il y a une sauvegarde automatique dessus. Je vais passer par ici. Je suis plein. Ah ok, ça s'ouvre pas. Il faut un pistolet plus solide pour récupérer les matériaux. Ok, d'accord. Yo Odé, comment ça va? Passage sympa, mais trop peu nombreux dans le jeu. Ah, c'est pas cool. Tu utilises le compte 2D? C'est con du coup s'ils ont pas fait autant de... Parce que c'est vrai que le passage est sympa, quoi. Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline. Cherchez le grand portail. Ok. Ok, c'est tout là-bas. Oh. D'accord. Mais t'as un compte, toi, Paco, non? Ah, ça fait plaisir de t'avoir. Mais t'es chez D, en fait. Les matériaux... Ok, ça permet d'améliorer les armes. Ok. Parce que là, c'est pas mal. Ah, tiens. Intéressant. Ah, là, il y en a plein, en fait.
Bah écoute, on va continuer tout droit. Cliché de l'information avec un t-shirt contrôle. Oh là, putain, j'ai pas vu. Oh, je me suis trompé. Oh là là. Ok.